Hello! Alors, j'ai un peu une sale tronche ce matin parce que je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais j'ai eu vraiment super du mal à m'endormir. J'ai dû m'endormir vers 4h du matin. Donc, j'ai un peu la tête dans les choux ce matin, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de faire une vidéo sur comment aller au bout d'un projet, comment persévérer et réaliser en fait les projets de son rêve. C'est parti pour quelques explications sur ton fonctionnement et sur les erreurs à ne pas sur lesquelles il ne faut pas tomber dans le piège. La plupart des gens, quand on a un projet, bon, déjà la question est de se poser, qu'est-ce qui anime ton projet? Est-ce que c'est quelqu'un à l'extérieur de toi? Ou est-ce que c'est bien un projet qui part de tes tripes? Un projet qui part de la tête, c'est un projet qui part de il faut, je dois, voilà, il y a une espèce de pression qui part de l'extérieur, mais qui n'est pas motivée par une envie, un désir profond. Déjà là, ça c'est vraiment la première des clés. Attends d'avoir vraiment une impulsion. Que le projet, ton idée, ton rêve viennent des tripes. Moi, le fait de passer, de devenir une entrepreneuse, c'est un de mes rêves que j'ai depuis longtemps, que je n'écoutais pas parce que, évidemment, j'avais tout mon cerveau qui prenait la place et mon tyran intérieur qui me disait: mais non, tu vas pas y arriver, mais non, c'est pas possible. Et puis, j'avais posé la question à quelques mecs qui m'ont dit: mais laisse tomber, c'est trop d'activité pour une femme, c'est même pas la peine, c'est pas compatible avec une vie de famille, etc., etc. Ça s'appelle l'inconscient collectif qui, bah, consciemment ou pas, nous pousse en fait à rester des esclaves toute notre vie. C'est le schéma en fait que la société attend de nous. Hein. On préfère la société, les gouvernants, justement les dirigeants, les managers attendent de nous, préfèrent nous voir à leur service plutôt qu'à l'extérieur. Parce que tant qu'on est sous leur coupe, ben, ils nous maîtrisent, ils nous contrôlent. Et puis surtout, on apporte notre énergie parce qu'en tant qu'hypersensible, alors, pas tous, hein, mais il y a une catégorie en fait d'hypersensibles que j'appellerais les sacrales, qui ont vraiment énormément d'énergie à offrir et qui sont inarrêtables. C'est les femmes notamment, mais il y a aussi des hommes, voilà, qui passent, qui arrivent à donf et puis qui travaillent à fond, qui ramènent leur boulot à la maison et puis qui continuent à faire même la bouffe, le machin, le truc, et ça finit en surcharge mentale parce que en réalité, quand on n'est pas aligné et quand on ne fait pas quelque chose qui nous anime profondément, qui nous comble profondément, eh bien, on finit complètement léthargique, fatigué, au bout du rouleau. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est que c'est des personnes qui mettent leur énergie au profit de personnes extérieures, papa, maman, le cousin, la famille, les enfants, etc. Mais qui s'épuisent parce qu'en réalité, elles ne se nourrissent pas en fait des activités qu'elles font. C'est comme si elles brassaient de l'air. Elles se sentent utiles parce que, évidemment, les autres ont besoin d'elles ou d'eux, mais en réalité, ça ne les nourrit pas personnellement. Et ça, c'est vraiment un problème, un travers de l'hypersensible qui est tellement généreux, voilà, qui a envie de sauver la terre entière et qui, du coup, bah, pour ne pas non plus se confronter à son vide intérieur, à justement ces sentiments en fait de demander qu'est-ce que je fous là sur terre, d'avoir cette posture un peu de martyr, hein, bah oui, moi la vie est dure, qu'est-ce que je fous là, sans sentiment d'être un peu maudite par la vie. Et donc du coup le fait de, bah, si on a quelqu'un
qui demande des opinions ou qui a besoin de toi, alors du coup tu as l'impression d'être utile et du coup tu vas travailler pour ces gens-là et toi en réalité ça ne te nourrit pas en profondeur. Donc voilà, ça c'est important de savoir qu'est-ce qui motive tes activités. Est-ce que c'est pour le faire plaisir aux autres? Ou est-ce que vraiment ça dit oui à l'intérieur, ça dit ouais, super, je vais l'aider, je vais l'accompagner et ça me nourrit parce qu'il y a, y a quelque chose de fluide, il y a une énergie en fait qui circule. Vraiment, ce que je vois beaucoup chez les hypersensibles, c'est cette tendance à jouer les sauveuses auprès de personnes qui finalement ne sont jamais satisfaites et ne font pas en fait le retour de reconnaissance. Et donc là, c'est même pas la peine, ça épuise. Et puis, il y a du coup, à un moment donné, on se dit, bon, bah là, il y en a marre, on va penser un petit peu à soi et on sent qu'il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de toi, que tu as un projet, un rêve, peut-être de te lancer en tant qu'indépendante, peut-être que voilà, de faire une activité en tant que thérapeute, en tant que coach. Mais vraiment, et que tu sens que c'est ça qui t'anime, c'est ça qui va te faire du bien. Et pour l'information, j'accompagne en ce moment eh bien, 5 entrepreneurs sur un programme qui s'appelle Shine et que j'encourage, j'entraîne justement à développer en fait leur projet, définir le projet, communiquer sur leur projet. Et les aider en fait dans ce développement. Et il se trouve qu'on a repris nos séances mardi. Et mardi, je les ai retrouvés, mais au bout du rouleau. Tous complètement fatigués, démotivés, suite aux fêtes de Noël. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que justement, les fêtes de Noël vont réanimer, réactiver un petit peu des blessures de l'enfant. On a tous, toutes un rôle et l'hypersensible a souvent un rôle de bouc émissaire, en tous les cas, dernière roue du carrosse dans la famille. Et donc de replonger dedans, de replonger dans la cellule familiale, c'est un peu comme si ça te replongeait un petit peu dans tes blessures voilà, d'enfant et ça te pompe de l'énergie parce que faut pas croire, la famille. C'est pas toujours la petite maison dans la prairie où en fait on est plein d'énergie, où c'est sympa, etc. Ça, c'est un peu notre rêve, mais en tant qu'hypersensible, il y a des chances que tu n'aies pas bénéficié de ça. Et ça peut arriver, c'est même très courant, que finalement la famille soit plutôt pompeur d'énergie que booster en fait de projet. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Quand j'ai commencé à vouloir me lancer, que j'ai commencé à parler de mes projets, surtout en tant que thérapeute ou parce qu'il y avait aussi ce souhait de lancer des activités de danse, etc. On m'a regardé en disant, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas pas gagner ta vie avec ça. Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Retourne dans l'entreprise, c'est là ta place, etc., etc. On ne me faisait absolument pas confiance et on ne croyait pas en moi. Donc, ça a été pour moi vraiment une période où bah, j'ai un peu baissé les bras. C'est comme si voilà, tu vas vers ton entraîneur, tu penses qu'il va te booster et en fait, il te dit bah, non, en fait, t'es pas bon, t'es nul, retourne d'où tu viens. Donc là, c'est super important parce que il y a toujours dans un projet un moment où on se retrouve sur un espèce de plateau où ça fait foum, une espèce de chute libre là. T'es à donf, c'est comme si tu t'entraînais avec ton cheval à sauter des obstacles. Voilà, tu t'es entraîné, tu commences à être un petit peu à l'aise, à sentir que voilà, à prendre plaisir à sauter, etc. Et en réalité, eh bien, tu vas pas aller jusqu'au bout en fait. Et là, c'est vraiment l'horreur parce que tu vas avoir une grosse démotivation et ça, tu vas pas comprendre en fait. C'est un plateau qui est normal.
Ça, c'est vraiment la première des choses que j'ai envie de dire. C'est normal. C'est ce que l'on appelle le plateau du générateur. C'est le plateau qui, parce que tu as beaucoup d'énergie, voilà, tu as mis beaucoup d'énergie au bout d'un moment, mais en réalité, il y a à un moment donné, bah, ouais, ce qu'on appelle aussi un défi, que moi j'appelle aussi le refus d'obstacle. C'est comme si tu t'approchais, tu étais prête à te lancer, tu es prête à réussir en fait ton parcours complet, mais la peur de réussir, en fait c'est la peur de réussir qui va faire que tout d'un coup, eh bien, au moment de t'approcher, alors que tu es prêt à arriver, tu es prêt au but, eh bien, il y a comme une espèce de démotivation. Et là, je dis attention, il va falloir t'entourer de personnes qui sont là pour continuer à t'encourager. Et c'est là, en fait, que tu vas justement passer des caps, en fait, dans ta vie. Énergétiquement, dans ton corps, en fait, c'est comme si tu allais activer des super pouvoirs. Sauf que si tu t'arrêtes à ce plateau, en fait, de générateur, à ce reflux d'obstacles, parce que tu es fatigué, parce que voilà, tu n'as plus envie, parce que peut-être qu'il y a aussi des pressions extérieures, que tout d'un coup, bah, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus rien. Donc, du coup, les peurs commencent à émerger. Eh bien, tu risques d'abandonner ton projet alors que tu es tout prêt d'arrêter. Tu es tout prêt d'arriver. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est aussi le principe de la roue de la fortune quand on tire des tarots. Moi, j'ai ça, en fait, dans mon thème. C'est-à-dire que c'est cette capacité, justement, à changer. Sauf que c'est ce qu'on dit aussi, le un pas en avant, trois pas en arrière. Si tu ne continues pas, en fait, à activer ta roue, mais en donnant encore plus d'énergie. Donc, si tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui est là en disant « Mais vas-y, tu y es presque, en fait !» Eh bien, tu risques d'abandonner au moment, en fait, où tu t'apprêtes à avoir, en fait, les résultats de toute ton énergie. Et c'est ça qui risque, en plus, de te convaincre que tu n'y arrives pas, de te nourrir dans ton rôle de martyr qui dit « Ouais, moi, ça ne marche jamais, j'ai pas le droit, je suis maudite, etc. etc. » En réalité, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas par manque de bol, c'est toi, en fait, qui ne va pas activer toute ton énergie et qui abandonne trop tôt, en fait. Donc, c'est vraiment... c'est perturbant. C'est une période, c'est une étape qui est très, très perturbante et qui va te challenger. C'est comme si l'univers t'envoyait une épreuve, en fait, pour te dire, est-ce que tu es bien sûr, en fait, que c'est ce projet-là que tu as envie de faire? Est-ce que, voilà, est-ce que tu es vraiment prêt de tout donner, en fait, pour ça? Et quand tu actives, quand tu dis oui, quand tu continues à dire oui, 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 c'est ça que je veux, eh bien, tu ouvres une porte. Là, tu vas ouvrir un espace et tu vas réussir. Tu vas trouver des gens, tu vas trouver des synchronicités qui vont vraiment t'aider à accéder à ton projet. Mais c'est vraiment, encore une fois, super important, en fait, que tu donnes tout jusqu'au bout. Voilà. Et ça fait partie, en fait, du processus pour justement devenir un héros, une héroïne, pour activer tes rêves. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire que derrière, tu vas pouvoir encore aider encore plus et que tu vas être motivé en fait. Voilà, donc en résumé, un projet qui te tient vraiment à cœur, qui donne du sens pour toi. Et parfois, ben, on ne sait pas vraiment quel est notre projet. Dans le groupe que j'accompagne, il y a une des personnes avec lequel j'ai échangé comme par hasard juste avant de lancer le Shine, qui était dans une phase de vie où elle sentait qu'elle n'était plus faite pour le CDI, mais elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Elle était perdue, elle était un peu entre deux chemins en fait. Et je l'ai encouragée justement, je l'ai motivée à dire « Bien, rentre dans le groupe et tu vas voir, tu vas trouver en fait ». Et en effet,
grâce au processus que j'ai mis en place, eh bien, elle a commencé à comprendre que, avec tout ce qu'elle avait acquis comme expérience, grâce à ses problèmes, grâce à ses difficultés, eh bien, elle avait plein d'outils à offrir au monde et que, en plus, elle avait vraiment des talents pour accompagner les gens. Elle a une guidance, enfin bref, elle a vraiment tout un potentiel. Mais à l'intérieur d'elle, eh bien, elle avait elle aussi un tyran intérieur qui lui disait « Mais non, c'est pas possible. » Tout son mental, en fait, lui disait « Ce n'est pas pour toi. » Parce que, bah, parcours de vie en tant qu'enfant, en tant qu'hypersensible, je n'ai pas le droit, en fait, d'être différente. Donc, c'est très difficile de croire en soi, à soi, quand nos parents, en fait, n'ont pas cru en nous. Ça fait vraiment partie des difficultés, en fait, des hypersensibles. Donc, c'est important de trouver quelqu'un qui, justement, est capable de voir, en fait, la lumière en toi, le potentiel en toi, le merveilleux en toi, quand, justement, tu es perdu. Et ça, c'est vraiment mon rôle, que ce soit à travers le programme Le Phare, pour déjà, eh bien, mieux se connaître et enclencher, en fait, mieux se connaître, se débarrasser justement de tous ces mensonges et de toutes ces croyances négatives et qui te permettent justement de voir en fait ce pourquoi tu es là. Et puis Shine qui là est vraiment dans le concret, un groupe en fait d'entrepreneurs qui s'entraident, qui se coachent mutuellement aussi et qui se serrent les coudes et qui se motivent en fait, qui créent justement une émulation comme une équipe en fait, une équipe gagnante. Voilà ce que j'ai à te dire pour ce début de 2022 parce que bah, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec tout ce qui se passe, se disent « Non mais moi, je ne crois plus et je ne veux plus en fait contribuer à ce fonctionnement-là, à ce système-là. Je suis fatiguée en fait de travailler, d'être dans une vie qui ne me convient pas. » Et donc, je vais chercher autre chose. Et déjà, se mettre en route, c'est vraiment important. Et quand tu te mets en route, ne serait-ce que pour être aussi, pour découvrir qui tu es, là aussi, tu peux te retrouver avec ce refus d'obstacle. C'est-à-dire, tu fais une première séance, par exemple avec moi, séance gratuite, ok, tu sens les choses. Et puis, bah, quand j'annonce le prix, par exemple, refus d'obstacle. Mais en réalité, c'est pas le prix qui va te bloquer, c'est ta peur. C'est le fait de « Ah bah oui, en réalité, j'ai peur de réussir. » Parce que si je réussis, eh bien, je vais dépasser en fait des choses, des a priori, des principes et je vais me retrouver seule en fait, esselée dans la famille. Je vais choisir un camp et à l'intérieur de toi, bah, c'est pas si facile en fait de se séparer aussi de sa famille, de toutes ses croyances et de toute la souffrance. Hein. Ça peut paraître paradoxal, mais malheureusement, c'est vraiment le processus que y a à l'intérieur de toi une partie de toi qui sent que de faire ce travail, c'est bon pour toi. Mais si tu as un mental qui est trop fort, qui est un censeur, eh bien, il y a des chances que lui te dise n'y va pas. Alors qu'en réalité, l'enjeu, ça va être justement de mettre ton cerveau au service de tes tripes. Voilà en fait comment une hypersensible doit fonctionner, doit avancer dans la vie. C'est pas le mental, on dit souvent, et il y a Christelle Petit-Collin qui a écrit un bouquin « Je pense trop ». En effet, le problème en fait, de la majorité des hypersensibles et des hauts potentiels, c'est qu'ils laissent leur mental décider, prendre les décisions et choisir en fait, comment avancer dans la vie. Ce n'est pas le bon fonctionnement. Le design humain, qui est un modèle vraiment de connaissance de soi que je t'invite à creuser, va t'indiquer justement ton centre d'autorité, c'est-à-dire le centre avec lequel tu vas décider. Et pour la majorité, ce que je peux voir, c'est que c'est soit le sacral, donc les tripes, soit le côté émotionnel. En tous les cas, ça doit dire oui.
Et ça doit dire oui dans le cœur, dans le corps. C'est le corps, en fait, qui est vraiment ta boussole intérieure. Et le problème, c'est qu'en tant que haut potentiel, parce que justement, ça fait partie du fonctionnement plutôt masculin, patriarcal, on t'a fait croire que c'était ton intelligence, c'est que il faut être intelligent pour décider, pour prendre des bonnes décisions. Macache, c'est complètement faux. En réalité, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été démontré que les femmes sont bien meilleures aux têtes dans les entreprises. Elles prennent de meilleures décisions quand elles sont reliées justement à leur cœur et à leur tripe. Et c'est l'instinct, c'est vraiment le fameux instinct. On fait croire que la femme n'a pas de sens de l'orientation. Là encore, c'est une erreur, c'est complètement faux. La femme a un instinct beaucoup plus développé et j'ai envie de dire encore plus quand on a eu des enfants. Parce que quand on a des enfants, eh bien, on va développer en fait nos cellules en fait vont développer des hormones ou de je sais plus trop quoi. Ça, c'est un truc que j'avais lu et qui m'a énormément parlé. On sent en fait quand on est enceinte qu'on passe un cap de conscience que tout d'un coup, on fonctionne plus de la même manière. Bah oui, c'est normal en fait. En tant que mère, eh bien, c'est comme si on devenait une louve en fait, et que tout d'un coup, on devient beaucoup plus protectrice et on sent beaucoup plus les choses pour protéger en fait nos enfants, nos bébés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de sentir que ta boussole intérieure, eh bien, c'est ton corps. Et que si tu te sens déconnecté de ton corps, c'est qu'il y a des traumas qui t'ont dissocié de ton corps. Et que du coup, c'est vraiment, vraiment important de faire un travail, pas que mental, pas que psychologique. C'est important de comprendre en fait ce qui se passe, les fonctionnements en fait du cerveau, mais d'activer en fait des choses dans les cellules. Et c'est pourquoi, en fait, moi, j'ai développé le phare qui est vraiment un modèle et tous mes accompagnements sont vraiment basés sur multidimensionnel, à la fois émotionnel, spirituel, corporel, mental, voilà, les quatre corps, parce que bah, on est complet, hein, on n'est pas juste un mental sur pattes, faut arrêter. Au contraire, on est plutôt, eh bien, un corps qui, avec le mental, qui se met au service de ton corps. C'est comme ça, en fait, que ta vie va commencer à tourner et que tu vas arrêter, en fait, de te perdre. Si tu es perdu, c'est que tu as donné trop de pouvoir à ton mental pour prendre des décisions et que donc, du coup, tu finis par tourner en rond parce que le mental ne peut fonctionner qu'avec ce qu'il connaît. Voilà, il te maintient dans une zone de confort et il va surtout pas t'emmener à l'extérieur. Alors que si tu es qui a pour vocation, comme beaucoup d'hypersensibles, eh bien plutôt d'inventer des choses, d'être co-créateur de ce nouveau monde, eh bien il y a une part de ton mental qui va t'interdire en fait d'aller là-bas, et c'est ça qui fait que tu finis complètement épuisé puisque tu ne fais pas en fait ce qu'on te demande de faire. Tu n'es pas dans cette curiosité. Il y a la peur qui est plus forte que toi. Et tu attends trop, en fait. Il y a des choses que tu as envie, mais tu dis oui, mais je suis pas prête, je ne sais pas encore assez de choses. Ça aussi, je l'entends, mais tellement souvent. C'est ce que j'appelle la fausse modestie, en fait, de l'hypersensible, qui te maintient dans cette zone de confort, qui te fait croire que, en fait, mais non, mais ça, ma vie, ça va bien, et qui te fait cogiter à longueur de journée plutôt que de te mettre en action. Voilà. Là où tu vas vraiment, la façon dont tu vas te remettre en énergie, c'est un, activer en fait ta curiosité, être toujours en permanence en train de te renouveler, mais aussi de te renouveler, encore une fois, dans la matérialité. Si ça reste juste au niveau de la cogitation intellectuelle, eh bien, ça ne va pas en fait, te nourrir profondément. L'hypersensible a vraiment besoin de se sentir utile pour ce qu'il est, pour sa différence. Voilà, c'est la différence qui va faire, qui doit rayonner, en fait. Si tu es au service de gens, même si le projet est quand même intéressant, qu'il est au service de valeurs que tu portes,
eh bien, il y a un moment donné où ça va plus te suffire. Parce que la majorité des hypersensibles, en réalité, ce sont des leaders. Mais parfois, eh bien, on a une image du leadership, on a une image du succès, on a des idées reçues concernant justement bah, la puissance, hein, le pouvoir, qui fait que, oula, non, non, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur, en fait, bah, j'ai peur de ma puissance. J'ai peur bah, de me transformer, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur d'écraser, j'ai peur, voilà. Peut-être aussi parce que dans d'autres vies, tu as mal utilisé, en fait, ce pouvoir. Peut-être même que tu restais soumise, voilà, et que c'est des schémas qui se rejouent. En tous les cas, l'enjeu, ça va être vraiment d'écouter tes tripes, de ne pas attendre trop longtemps, de te mettre en action et d'accepter justement de te mettre en risque. C'est ça qui va faire kiffer en fait l'hypersensible, c'est de prendre des risques. C'est là où on va activer des super pouvoirs. Mais c'est là aussi où on va encore une fois rencontrer nos plus grandes peurs, peur de ne pas réussir, peur de se faire rejeter, voilà, et qu'on risque d'abandonner. Là, c'est là où c'est vraiment super important de se faire accompagner dans cette, dans ce saut en fait, sur le grand saut, ce que j'appelle le grand saut, voilà, pour réaliser tes rêves et de trouver quelqu'un qui est déjà arrivé. Parce que là aussi, tu peux me dire, bah oui, mais moi, je me suis déjà fait accompagner, j'ai déjà fait je ne sais pas combien de thérapies. Oui, sauf que est-ce que ta thérapeute, elle a fait son grand saut? Est-ce qu'elle a vraiment, est-ce qu'elle réalise un rêve ou est-ce qu'elle fait juste la sauveuse parce qu'en réalité, elle n'a pas juste réussi à sauver papa, maman? Est-ce qu'elle kiffe sa life, quoi? Et est-ce qu'elle gagne bien sa vie aussi? Parce que la plupart des thérapeutes gagnent très peu d'argent et s'épuisent là aussi dans leur réalisation. Et s'autoriser à gagner bien de son argent, ça montre qu'on est en accord avec sa valeur, qu'on a dépassé eh bien, là aussi une blessure en fait, de l'hypersensible qui est bah, la dévalorisation ou la victimisation. Voilà, donc ça, c'est, et en réalité, tu le sens en fait, que j'ai une énergie particulière, qu'il y a certains accompagnants qui ont une énergie particulière et qui vont pouvoir vraiment t'aider là où d'autres ne t'aident pas parce qu'ils n'ont pas cette énergie-là en fait en eux. J'ai beaucoup d'énergie à revendre et c'est pour ça que je fais ce travail-là parce que en réalité, mon énergie sert de support, sert de véhicule pour vraiment accompagner et pour activer en fait des codes. Voilà, c'est un peu compliqué. Moi-même, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais je sais que je transmets de l'énergie qui te permet en fait d'aller au bout et que je ne te lâche pas en fait. Ça, c'est vraiment important et que j'ai vu vraiment les transformations que ça opère. Ça fait des changements de vie vraiment radicaux et c'est ça que l'hypersensible a besoin d'expérimenter, d'aller vraiment expérimenter la joie, le bonheur d'être là. Et arrêter en fait de jouer justement les martyrs et les victimes. Je te dis à bientôt parce que cette année 22 va être vraiment challengeante, je le sens, et je crois que tu vas avoir besoin de moi. Alors, je suis là, à bientôt.